Entrevaux est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Entrevalais. Entrevaux a reçu le label village et cité de caractère. La cité fortifiée s'est développée autour d'un éperon rocheux, dans une boucle du Var, dominée par la citadelle. Confiné initialement à l'intérieur de ses remparts, Entrevaux s'est progressivement développé sur la rive droite du Var. La localité apparaît pour la première fois dans les textes, en 1040, qui devient Entrevaux vers 1200. Ce nom est formé sur le provençal entre le mot vaux, vallée, au pluriel, dont la lecture est transparente. La commune est nommée Entrevaux en occitan vivaro alpin et provençal. Le nom Intervalès, notamment gravé sur une pierre dans la montée de la porte royale, serait donc une invention récente. L'ancien centre de la commune, Glandève, est nommé d'après la racine gauloise glan, c'est-à-dire la vallée. Sous l'Empire romain, une cité gallo-romaine s'appelait Glanat, et était installée sur la rive droite du Var. Glanat était située au carrefour des routes de la voie prétorienne reliant Semnélum, Timier, à Apt. De la période de présence romaine datent quelques vestiges, dont une nécropole autour de la cathédrale antique Notre-Dame de la Cède, actuel hôpital. Glanat est chef-lieu d'une civita, s'étendant dans la vallée du Haut-Var. Elle s'agrandit au IVe siècle de la civita voisine de Briançonnet, pour contrôler le Haut-Var et la vallée de l'Estéron. Ce ressort devient celui de l'évêché de Glandève, puis d'Entrevaux. La cité épiscopale, évêché dès le XIe siècle, porte le nom de la Cedes, Civita Sedi, la ville du siège de l'évêque, en latin, tandis qu'à un kilomètre en amont, se préfigure la ville d'Entrevaux. Le site, plus facilement défendable que celui de Glandève et moins exposé aux crues du Var, est occupé au XIe siècle. La plus ancienne mention, Intervaux, date de 1040. Certains auteurs placent la destruction de Glandève par les Sarrasins au 8e siècle. Le transfert de la ville a lieu à partir du 10e siècle. La ville se transfère sur la rive gauche du fleuve et s'installe sur la terrasse rocheuse dominant le Var. Fief des barons de Glandevès, elle voit son sort définitivement lié au royaume de France avec le rattachement de la Provence à la France, à la fin du 15e siècle. La seigneurie des lieux passe en 1250. Des barons de Beuil au Féroce, originaires de Thoram, qui prennent le titre de baron de Glandevès. Ils partagent la seigneurie avec le chapitre et l'évêque, et la conservent jusqu'en 1536. Jusqu'en 1245, la communauté d'Entrevaux relevait de l'abbaye d'Outre-Siagne, circonscription administrative du comté de Provence. Celle-ci est ensuite démembrée en plusieurs circonscriptions plus petites, et après une période de stabilisation, on sait qu'en 1264 Entrevaux faisait partie de la viguerie de Puget-Aignier. Le prieuré Saint-Michel, peut-être situé à l'actuel lieu-dit Glandève, relevait de l'abbaye Saint-Victor de Marseille, qui percevait les revenus attachés à cet établissement. Isnard de Glandevès, 1340-1409, Viguier de Marseille, 1380, lieutenant du Sénéchal, 1405, fut seigneur de Cuire, de Pourrières et de Glandevès. Il fut le premier enfant de Guillaume Ferraud de Glandevès, seigneur de Cuire et de Thoram, et de Louise de Villeneuve. Il fut selon le baron du Roure un des seigneurs les plus puissants et les plus considérés de Provence. Il fut l'objet de la reine Marie de Blois qui le couvrit de dons. Après la guerre de Cent Ans et une fois la sécurité revenue, de 1442 à 1471, 20 familles quittent le village pour repeuplerier. En 1494, la place est prise par le duc de Savoie, grâce à une trahison. Le sire de Mirabeau reprend ensuite la ville pour le roi de France. À la Renaissance, les guerres d'Italie opposent François Ier et Charles Quint. Celui-ci convoite la Provence et s'empare d'Entrevaux en 1536, à cause de la trahison du seigneur de la ville, Jacques de Glandevé. La moitié de la population est massacrée et la ville incendiée. Elle se révolte en 1542. Le gouverneur espagnol est égorgé. La population reprend le contrôle de la ville et se donne au roi de France. Reconnaissant, François Ier et le dauphin déclarèrent par la charte d'Avignon, Entrevaux ville royale du royaume de France, dépendant directement du roi et exemptée de toute taille, emprunt, service et devoir.
31 juillet 1542. C'est aussi à cette époque que la cathédrale de Glandève est abandonnée et le siège épiscopal définitivement transféré à Entrevaux. Paulon de Mauvan, capitaine protestant, pille la ville à l'été 1560. Entrevaux est le chef-lieu du territoire dit des terres adjacentes vallées du Var. L'isolement d'Entrevaux aux confins du royaume créa une situation périlleuse. Aussi tous les souverains veillèrent au renforcement des fortifications. En 1624, Richelieu décide de les compléter et de les renforcer. En 1658, la porte royale et le pont sur le Var, gardés par une tour à chaque extrémité, sont construits. Néanmoins, l'isolement persiste, et en 1674, l'évêque d'Entrevaux Ithier instaure un service postal bimensuel avec Aix, par Mulet, qui dessert également Hanot et Guillaume. Par la suite, un bureau de la Poste Royale est installé à Entrevaux. Le roi Louis XIV décide de renforcer et moderniser les forteresses de la frontière alpine, Briançon, Embrun, Hanot, Colmar, Entrevaux. Bien que Vauban ne visite pas la ville, il signe les plans de Niquet à Saint-Pau-de-Vence en 1692. Les travaux, commencés en février de la même année, ne sont pas réalisés en entier, mais la ville comme la citadelle sont renforcées, le chemin fortifié date de cette époque. Les portes d'Italie et de France sont également renforcées. La citadelle, perchée sur son piton rocheux, témoigne encore des efforts pour prévenir les tentatives d'invasion. Le ministère de la guerre laisse le soin de l'indemnisation des expropriations à la communauté, qui n'en peut mais, en 1705. Cette indemnisation n'a pas commencé. Au début des années 1700, l'évêque César de Sabran, et le commandant du château et gouverneur d'Entrevaux, M. de la Contardière, entretiennent une rivalité sur de nombreux sujets, multipliant les chicanes, affiches, pamphlets et mazarinades. Le secrétaire d'État à la guerre, Chamillard, nomme le baron de Glandève comme arbitre, qui est récusé par l'évêque. Finalement, l'affaire n'est apaisée que par intervention du ministre d'État, Colbert de Torcy, en 1705, même si l'évêque entame une guerre de procédure ensuite avec les consuls de la communauté et si la querelle avec le gouverneur reprend de temps à autre. Pour éteindre la dette de la communauté due à l'indemnisation des expropriations nécessaires aux travaux de Vauban, les consuls décident d'instaurer un piquet, genre d'octroi, taxe sur les produits entrant en ville. Mais le 17 mai 1705, les femmes de la ville se révoltent et lors de l'émeute, elles s'en prennent aux membres du conseil municipal, qui fixent la taxe, les bousculent, les insultent. Le piquet n'est pas mis en place et de plus les émeutiers ne sont pas poursuivis. Pendant plus d'une dizaine d'années, deux partis s'opposent à Entrevaux, les plus riches, qui occupent tous les postes de décision, sont très favorables à l'instauration du piquet, qui leur coûterait personnellement moins cher, face à eux, le Parti populaire, dont les deux figures étaient le tisserand Joseph Coulet et le médecin Jean-Baptiste Bernardi, soutenaient une taille proportionnelle aux moyens de chacun, plus légère pour les pauvres et plus lourde pour les riches. Ce parti était soutenu par l'évêque, qui pouvait ainsi éviter une hausse des prix du pain en ville et donc une hausse du salaire de ses domestiques et ouvriers. Une partie de la garnison, logée chez l'habitant, était aussi favorable au Parti populaire. Dans un premier temps, c'est la solution d'une légère augmentation de la taille qui est retenue, puis un piquet est tout de même instauré en août 1717, ce qui déclenche une manifestation pacifique qui semble un instant victorieuse. Le gouverneur militaire, la Contardière, resté jusque-là à l'écart des affaires internes à la communauté, ordonne la dispersion de la manifestation et interdit tout nouveau rassemblement quand la carence des autorités civiles est trop évidente. La place forte résiste au siège des Piémontais, commandé par le chevalier de Blésigny, en juin 1704. Arrivés sous les murs de la ville, le 7 juin, les Piémontais installent leur camp au plateau de la Pigière, situé sur la rive opposée du Var, et dominant la ville. Renforçant ses 100 hommes de garnison de 4 compagnies d'habitants, le gouverneur de la Contardière fait une sortie de nuit et détruit ce camp, ce qui aboutit à la levée du siège dès le 14 juin. En 1707, une nouvelle colonne commandée par le chevalier de Blaignac pille les propriétés de la rive droite du Var. En 1721,
Les habitants font une sortie et battent les Piémontais qui allaient mettre le siège. À la Révolution, l'évêché est supprimé. Dans la nuit du 17 au 18 janvier 1792, le maire Caro, contre-révolutionnaire, la municipalité inquiète ainsi la société populaire, tente un coup de force contre la Révolution, qui échoue devant l'opposition populaire. La société patriotique de la commune fait partie des 21 premières créées, dans les Basses-Alpes, avant juin 1792, elle est fondée au moment de la tournée des administrateurs départementaux. Le 5 primaire de l'an 3, le représentant en mission Gautier, épure la société. Au début des guerres de la Révolution, la place est défendue par le 3e bataillon des volontaires des Basses-Alpes, ensuite intégré à la 69e demi-brigade d'infanterie de ligne. La commune du Plan de Puget, 75 habitants au recensement de 1800, est réunie à Entrevaux, entre 1801 et 1806. Depuis la Révolution française, la Révolution et l'Empire apportent nombre d'améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d'un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités. Dès 1816, le cadastre dit napoléonien d'Entrevaux est achevé, et celui de Plan Pugel est l'année suivante. Au 19e siècle, plusieurs écoles sont construites, au Plan de Puget, au Plan d'Entrevaux, à Baie, au chef-lieu. Jusqu'au 19e siècle, Entrevaux n'est relié au reste du monde que par un chemin muletier, allant de Nice à Barcelonnette par Puget-Aignier. Une route est construite depuis Digne par Anotte et le col de Toutesor, changeant l'itinéraire traditionnel. Et la route impériale relie Entrevaux à Nice en 1873, mettant fin à des siècles d'isolement relatif. Le rattachement de Nice en 1860 éloigne la frontière. Cependant, la forteresse est utilisée jusqu'au début du XXe siècle, et sert de prison pour les officiers allemands durant la Première Guerre mondiale. Ils étaient sous la garde du dernier commandant de la citadelle, le capitaine Jean-Baptiste Perini. Le chemin de fer est inauguré en 1907, Entrevaux est alors relié à Nice, et presque un terminus, puisqu'il n'y a ensuite que l'arrêt de pont de Guédaran. La ligne de Nice à Digne est ensuite prolongée jusqu'à Anotte en 1908, puis achevée et inaugurée du 5 au 7 août 1911 en présence de Victor Augagneur, ministre des Travaux publics. Thank you.